Enfouir moins, c'est le but de l'exécutif. Ses propositions suivent les 5 axes stratégiques du plan des déchets voté en 2016. Le premier, c'est le tri à la source. Avant fin 2019, l'exécutif veut généraliser le porte-à-porte, le traitement des biodéchets et renforcer le maillage des déchetteries. Axe 2, les centres de tri multifonctions. 2 sont prévus près de Bastia et d'Ajaccio, les terrains sont identifiés, les études de préfiguration sont lancées. Axe 3, le stockage des déchets ultimes. L'exécutif veut ouvrir de nouveaux centres de stockage et surtout enfouir 2 fois moins qu'aujourd'hui, en passant de 174 000 à 90 000 tonnes par an. Axe 4, les déchets ressources économiques, car 80% de l'enfoui actuel est recyclable. Les projets de valorisation locale seront donc encouragés. La consigne du verre va être étudiée. Axe 5, maîtrise publique de la gestion des déchets. Pour réduire les coûts, le transport par le rail est envisagé. Un train pourrait remplacer 22 camions. Pour réussir, l'exécutif compte s'appuyer sur les intercommunalités. Le coût de stockage sera progressivement lié à la performance de tri. Le gris est plus petit que le jaune.